Lou, bonjour. Bonjour. Alors, Lou, tu fais partie du conseil de la vie collégienne. Un conseil qui a organisé, avec l'aide de quelques professeurs, une grande collecte de jouets. Comment vous est venue cette idée-là? On parlait de faire quelque chose à l'occasion de Noël, comme une journée ou ce genre de choses, et il y a une élève de troisième du CVC qui a proposé d'offrir un Noël à d'autres personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de le faire. Et vous Et avez tous été d'accord alors. oui. D'accord. Si. Alors Paul, tu fais partie du même conseil de la vie collégienne. Tu as été d'accord pour participer à cette opération. Mais est-ce que toi-même, tu as fourni un jouet ou est-ce que tu as Alors, sollicité tes proches pour fournir des jouets? oui, j'ai donné des jouets, j'ai répondu à l'appel et j'ai sollicité un minimum mes proches que je ne sois pas seul à répondre à cet appel. D'accord. Alors, Éléonore, tu fais aussi partie du même conseil. Et est-ce que tu serais prête, toi, comme tu es en quatrième, à recommencer la même opération l'an prochain? Bien sûr, parce que il faut aider les gens, pas que ce soit que dans le collège, mais dans la vie quotidienne. Et bien sûr, je serai prête à refaire ces dons pour les associations, pour pouvoir aider les enfants qui n'ont pas beaucoup d'argent, pas les finances pour pouvoir acheter des cadeaux pour Noël. D'accord. Et alors, Maë, enfin, tu t'es occupé aussi de cette affaire. Et comment vous avez diffusé l'idée pour qu'un maximum de gens donnent des jouets? Tout d'abord, on a fait un article sur le journal du collège pour présenter cette idée et on a aussi créé des affiches qu'on a postées à l'entrée du collège. Et certains élèves ont parlé dans leur classe, les membres du CVC ont parlé dans leur classe pour diffuser cette idée aussi, ainsi que en parler en fait dans la cour. Certains élèves en ont parlé entre copains et cette idée s'est aussi un peu diffusée comme ça. D'accord, donc tu m'as parlé d'un journal du collège, parce qu'en fait, il paraît que vous êtes aussi journaliste, vous tous, là. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de journal? Comment expliquer? C'est un journal où en fait qui est dirigé par Monsieur Vergeot. Et en fait, on fait des articles et qu'on lui. En fait, on propose un article, on le rédige et lui nous dit si c'est bon, qu'est-ce qu'il y a à corriger, puis il le poste. Voilà. D'accord. Je sais pas comment expliquer. Et comment il s'appelle ce journal alors? Le Cross News. Le Cross News. Oui. D'accord. Pourquoi? Je sais pas comment expliquer. Oui. Alors, le cross parce que les collèges des crozottes et news parce que nouvelles et nouvelles qu'on a dit. D'accord. Et alors, Paul, est-ce que tu écris dans ce journal, toi? Oui, on poste régulièrement des articles et je les écris en binôme avec Eleonore. D'accord. Et alors, Lou, toi aussi, tu participes à Cross News? Oui. Oui, comment? En faisant des articles sur ce qui nous intéresse ou Et sur ce alors, qui est ton dernier important. article, c'était quoi? C'était une interview de Madame Carbonnier, une professeure d'espagnol. D'accord. Bien, ben merci. Bravo à vous tous.